Souvenez-vous, la guerre en Irak, sur BFM TV, il explique que la solution ne doit pas être militaire, mais humanitaire. Et surtout, on n'a toujours, pour l'instant, aucune preuve des attaques chimiques. Aucune preuve irréfutable n'a été jusqu'à aujourd'hui montrée. Je crois que la moindre des choses, c'est qu'un consensus se fasse sur l'existence de preuves. Donc si ces preuves existent, eh bien qu'elles soient montrées et qu'à partir de là, elles puissent être analysées. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Il y a une première question qui se pose, c'est celle de la légalité d'une telle décision. Est-ce que nous disposons aujourd'hui de preuves irréfutables de la participation ou de la responsabilité des autorités syriennes dans le massacre? On évoque des indices, on évoque des présomptions, on évoque des écoutes. Aucune preuve irréfutable n'a été jusqu'à aujourd'hui montrée. Je crois que la moindre des choses, c'est qu'un consensus se fasse sur l'existence de preuves. Donc si ces preuves existent, eh bien qu'elles soient montrées.